Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Il y a la police qui a mené une opération dans le cadre de lutte contre l'enlèvement et donc ça arrivé. Et ils ont fait un coup de filet et vendredi 29 juillet à Debussy et ils ont cherché citoyen ça qui est les pierres guetteurs et lycée au monde que la police a cherché activement et pour implication présumée dans plusieurs cas enlèvement et avec séquestration et notamment sur route aéroport à Turjo. Et pendant l'opération ça et suspéralité il y a pas de jeunes ni et cependant des jeunes et compagnie et Florentin et Manielita et qui lui-même et la police te mette mes sous lit avec un paquet d'objets et que au saisi parmi eux gain uniforme complet Udmo gain uniforme complet la police administrative gain gilet et fluorescent UDH yo jeune et quatre ceintures et la police. Et puis, y a un appareil radio communication. Donc, y a plusieurs armes et chargeurs et un pile matériel. Au total, son liste de 37 et matériels que la police li joigne la caille et citoyen ça. Et qui, et donc, la police toujours a cherché. Et puis gagner situation nous connaît par rapport avec du feu que bandit te metté dans cathédrale Port-au-Prince après ça qui est arrivé à et donc à la tête d'une force là ancien ministre justice et sécurité publique et puis ancien sénateur Paul Denis mandé tête li jusqu'à côté bandit a privé pendant le fait qu'on ait une sécurité à menacer avenir pays à et Paul Denis fait qu'on est tout et monde qui qu'on utilise bandio pour kembe pouvoir perdit contrôle. Concernant l'aggravation crise pays à niveau gang améo poté et violence et l'an dernier jour ça yo dans zone métropolitaine non coordonnateur général mouvement populaire de Saline Mopod agronome Jean-André Victor déclaré c'est un bagaille qui paraît clair pour yo et parce que c'est une société capable effondrer. Et puis ancien sénateur Grandance Soel Jacinthe et qui signe accord et 11 septembre capoté et premier ministre de facto cap supporté plutôt premier ministre de facto à Dr Ariel Henry déclaré gain vérité qui pas dit dans ça qui gagne à ouais à quand mise en place dialogue entre représentant accord 11 septembre à responsable accord Montanayo qui n'en les passe jusqu'à présent. Ancien sénateur Grandance Soel Jacinthe a dénoncé hypocrisie il dit qui gagne en mi-temps communauté internationale là et ça qui gagne à ouais à renforcement capacité opérationnelle PNH là pour question acheter ZAM, munitions, institutions ont besoin pour résoudre les problèmes de sécurité qui gagnent dans le pays. Et puis, il y a une conférence pour la presse vendredi 29 juillet et côté président de la Fédération protestante d'Haïti, Calixte Fleuridor, et lui fait qu'on n'est pas capable de boire croisé. De votre situation et terre et population à vivre, lui demander tout petit pays à pardonner une lotte pour réveil et réconciliation et ça capable éclater tout bon vrai dans pays à donc Fédération protestante d'Haïti et qui a travaillé pour mettre campé une commission réconciliation nationale vérité pardon et justice pour sortir pays à la crise l'y trouver journée jeudi. Et puis, il y a un ancien candidat à la présidence, pasteur Maxo Joseph, qui était croyant et donc, il y a un réveil spirituel capable d'aider dans le changement et pour le pays d'Haïti. Et il dit, il est temps arrivé pour réveiller la fête dans le pays. Pasteur Joseph, qui dit, fédération engagée dans la bataille pour libérer Haïti. Il dit, si pas gain unité à conscience nationale,
et donc a toujours gain zam et cap et circuler dans pays et qui a metté et monde et petit pays dans une situation qui est assez compliqué. Donc Haïti a pas fini net non et circonstance ça en situation que l'on vit journée jeudi à là et pasteur et Max Joseph Likoué faut que gagne yon conscience nationale. La police a mené opération en date et vendredi 29 juillet passé à en Debussy. C'est une grande opération et qui mène dans le cadre de lutte contre enlèvement et donc que PNH là l'y fait et l'étape chercher Pierre et Gunther et monsieur ça que la police a cherché et donc pour implication présumée dans plusieurs cas et enlèvement et qui est suivi de séquestration et sur route aéroport actuellement jour pendant opération ça et individu ça ou bien suspect ali il y a pas de jeune ni et cependant madame ni Manuel Ita Florentin était dans Kaila et la police s'est appelée avec plusieurs objets que la police saisit dans cadre opération ça. Il y a plusieurs matériels, il y a uniforme complet UDMO, uniforme complet la police administrative, gilet fluorescent UDH, il y a 4 ceintures police, il y a un képi noir police. Et gagner un appareil radio communication avec un chargeur tout au jeune mais citoyen et une boîte Zamac Taurus ordinateur portable Mac Asus et gagner un pistolet Glock donc gagner pile matériel au jeune au total gagner une liste de 37 matériel que la police joigne la caille citoyen ça a quitté déjà chapé pour lui avant et donc et la police est arrivée dans Kaila. Nous invitons à écouter plus et précision sous dossier ça avec porte-parole PNH la Gary Desosiers qui a non seulement banno et une idée et de opération ça la police te mené mais également qui a parlé tout de dernière opération la police mené pendant dernier jour ça. Lundi 1er août 2022, la police a présenté ensemble opération qu'elle menait et pendant semaine à Kouken qui se passait là. Côté que vendredi 29 juillet 2022, DCPJ menait en gros opération Kaye Pierre Grunter, 42 ans, et dans Debussy, impasse mon premier pour implication présumée monsieur dans plusieurs cas de kidnapping et selon DCPJ, une douzaine cas de kidnapping dans zone Tujo à Kout aéroport. DCPJ rive dans Kaila, monsieur quand on prend la fuite, et DCPJ interpellé concubine qui c'est Manilita Florentin, une jeune dame de 34 ans, et actuellement DCPJ a recherché Pierre Gunther. Et les DCPJ rive dans Kaila, il y a un somme de munitions et de matériel que DCPJ arrivé saisi, et nous joignons Kaila, monsieur, deux uniformes complets UDMO, deux uniformes complets police administrative crème et bleu, un gilet fluorescent avec écriteau EDH, 4 ceintures de police, képi noir de police, nous joignons un appareil radiocommunication plus chargeur, un ordinateur, un pistolet Glock de calibre 9 mm plus 4 chargeurs Glock et 2 étuis, nous joignons tout un bonbon gaz lacrymogène, bâton métallique, 98 cartouches de calibre 9 mm avec plusieurs autres cartouches ZAM. Et nous joignons tout 2 cartes EDH, un cap ONA, deux permis de conduire, un cap du service intelligence du ministère de l'Intérieur, un permis de port d'armes, un permis de détention d'armes à domicile, trois cartes débit, deux passeports, etc. Et n'a pas noté que n'a pas évité Mounio aller sur site à la police côté que n'a pas et Mounsa que DCPJ a recherché activement et dans ce moment-là DCPJ a choisi à vue de recherche là monsieur Détain Clair tête décalée et ligue barbe noire ligue moustache probablement monsieur a changé coiffure mais n'a pas demandé à tout le monde qui est arrivé identifier monsieur pour mettre la police au courant et monsieur était habité et dans zone rue Edmond Paul numéro 36 qui c'est zone et Carrefour-Feuille. Mercredi 27 juillet 2022, dans quoi des prêts, la police procède à l'arrestation 6 moun, et selon toute information que la police gagne, est assemblée, et parmi moun sa yo, Jean-André, qui continue que le tien André, c'est un chauffeur ISO, base 5 secondes que lié. Et chef d'accusation, vol armé, enlèvement, assassinat, et la police tout
procédé à l'arrestation Hazard Michel et sur route nationale numéro 1 pendant et monsieur Tapran sonné chauffeur à passant et monsieur lui-même fait partie de gang en gang qui a évolué dans Jérusalem 8 côté que la police a recherché dans gang ça Renault ainsi connu Ligolot donc les Tiga Johnny ainsi connu et Kiwi alias Papa Cray. Jeudi 28 juillet 2022, BLTS et DCPJ dans le Nord, accompagné des juges de paix, à l'écaille Jocelyne Dorfin annonce qui lui-même était activement recherché pour implication dans la drogue, côté que BLTS joint la CAELI 11,5 kg de cocaïne testée préliminairement positive. 264 000 goudes, 1450 pesos, et il y a deux génératrices qui sont arrivées, confisquées par BLTS. Et n'a pas noté que Jocelyne Dauphin, Jean Dion, était impliqué déjà dans un dossier de marijuana, et qui était en quantité de 352 kilos de marijuana le 10 mai 2022, côté que. Et BLTS a recherché trois policiers dans quatre dossiers. Vendredi 29 juillet 2022, BLTS a arrêté Marie-Rose Benoît, qui continue à créer les roses. Et côté que DCPJ joigne la CAELI, 19 kg de marijuana, un pistolet de calibre 9 mm. Et DCPJ arrivé confisquer un véhicule Suzuki Grand Vitara. Et n'a pas noté que c'est Wagner. Et Bellone qui arrivait dénoncer Damsar. Dans le cabaret, la police a arrêté Jean-François qui a 25 ans, qui sont jeunes, Wilbert Exhumé qui a 29 ans, on le jeune, ils étaient en possession, ils chaque de un pistolet du calibre 9 mm et ils étaient à bord motocyclette. N'a pas dit dans quatre dossiers qui ont pour eux avec cargaison ZAM avec munitions dans port de paix, la police a recherché activement dans le cadre de César Wilfried Pouliard. Voilà, c'était l'intervention que porte-parole PNH là, Gary Deosé, t'a pas partagé avec nous et sous dernière opération qui fait pendant dernier jour qui passait là et notamment opération ça que la police était menée donc dans zone Debussy et côté. Et yo pas joindre citoyen qui ont été cherché à donc et mais yo joindre madame ni et qui lui-même était et sous place donc n'a pas parlé et pratiquement de monsieur Pierre Gunter que la police a toujours et continué à chercher. L'autre information, c'est pratiquement ce qui concerne les questions de sécurité qui a pas taïbanda dans le pays. Et gagné dans le département nord-ouest. Et donc, et selon l'information qui a circulé autour de Zach Bandio, yo a commettre dans la commune Gomon et Bassin Bleu, donc respectivement non, et entre les départements et Latibonite et Nord-Ouest, et gagné pour Pipiti 40 monde qui t'a censé victime et de yon et situation et qui assez et grave et donc gagné de bandits armés qui a opéré dans localité Tibaron qui trouvait au nan et donc zone ça qui trouvait là dans commune Gomon Bassin Blé yo tué yon moun et gagné et j'en dis à plus passé et 30 l'autre qui censé blessé avec balle donc posé action roi et donc hier dimanche 31 juillet on a gagné et pour venir avec plus détails autour de dossier ça. Et non, et donc tout au long du journal là, un peu plus tard dans le journal là, et avec un correspondant nous gagne qui sous place. L'autre information et n'a pas partagé avec vos amis auditeurs, gagné dossier Yves et Jean Barla et qui
gagne une évolution et la donne pratiquement c'est un rebondissement dans cas de scandale exploitation et sexuelle nous connaît et ancien ou bien et dirigeant et fédération haïtienne football là et Dadou Jamba lui-même qui était accusé dans le cadre d'un dossier agression sur mineur et suite à une plainte qui était déposée au niveau de la justice française contre Romain Molina 18 mai 2020. Et 22 a magistrat instructeur a li et saisi le dossier a et li ren ordonnance li donc juge instruction et li considéré que gagné suffisamment de charge pour capable envoyer blogueur là devant et tribunal correctionnel pour diffamation docteur Yves et Jamba li accueilli avec satisfaction nouvelle victoire et ça dans quatre batailles pour établir la vérité et puis restaurer dignité et donc c'est ça nous capable nous ont communiqué et conseil avocat ancien patron football haïtien entre-temps et ancien responsable FHF là li dit l'attend avec sérénité et confiance décision finale tribunal arbitral espoir et donc sous et yon recours en appel qui était déposé dans date 27 janvier 2021 contre et jugement et commission éthique FIFA opération Kai Pierre Gunter 42 ans et dans Debussy impasse mon premier pour implication présumé monsieur dans plusieurs cas de kidnapping et selon des CPJ une douzaine cas de kidnapping dans zone Tujo à Kout aéroport DCPJ rivé dans Kala monsieur quand on prend la fuite et DCPJ interpellé concubine qui c'est Manilita Florentin une jeune dame de 34 ans et actuellement DCPJ a recherché Pierre Gunter et les DCPJ rivé dans Kala gagne ensemble de munitions et de matériel que DCPJ arrivé saisi et nous joignent car monsieur deux uniformes complets Udmo deux uniformes complets police administrative crème et bleu un gilet fluorescent avec écriteau EDH, quatre ceintures de police, képi noir de police, nous joignons un appareil radiocommunication plus chargeur, un ordinateur, un pistolet Glock de calibre 9 mm plus quatre chargeurs Glock et deux étuis. Nous joignons tout un bonbon gaz lacrymogène, bâton métallique, 98 cartouches de calibre 9 mm avec plusieurs autres cartouches ZAM. Et nous joignons tout deux cartes EDH, un cap ONA, deux permis de conduire, un cap du service intelligence du ministère de l'Intérieur, un permis de port d'armes, un permis de détention d'armes à domicile, trois cartes débit, deux passeports, etc. Et n'a pas noté que n'a pas invité Mounio à aller sur site Allo la police, côté que Napoué et Mounsa que DCPJ a recherché activement et dans ce moment-là, DCPJ a choisi à vue de recherche là. Monsieur Détinclair, tête icalée, et ligue barbe noire, ligue moustache, probablement monsieur a changé coiffure, mais n'a pas demandé à tout le monde qui est arrivé à identifier monsieur pour mettre la police au courant. Et monsieur était habité dans la zone rue Edmond Paul, numéro 36, qui est zone Carrefour-Feuille. Là, nous en sommes ce que j'appellerais à des actes de plus en plus osés. Je dirais d'action de groupes armés, mais aucun d'entre eux ne fait flotter un drapeau sur un territoire. D'aucuns disent aussi que nous vivons une guerre entre civils armés. Et nous vivons des affrontements. Quelque part, en fait, nous sommes en train de payer les faiblesses et faillites de l'État. Faiblesses et faillites construites sur plusieurs décennies. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas l'année dernière, etc. Et c'est l'une des choses qu'il faut regarder. Voilà pourquoi on est arrivé à un moment où il faut se parler. Les responsabilités sont multiples. On ne peut plus dire c'est la faute de X, la faute de Y, c'est lui qui, etc. Chacun des groupes qui ont été en contact, en contrôle de l'appareil d'État
a laissé filer un pan de cet appareil. Professeur, vous avez défini pour nous, pour le public, ce que c'est qu'un manifeste. Maintenant, manifeste pour. En fait, l'objectif, c'est. Ou encore, le manifeste, son application devrait justement aboutir à une résolution pacifique de nos problèmes. Par une restauration de dialogue inclusif. Maintenant. Dialogue, tout le monde la donne. Dialogue. Maintenant, voyons pour le dialogue. Mm-hmm. Est-ce que le dialogue ne requiert pas du civisme, du patriotisme? Non, le dialogue requiert d'abord... La bonne volonté? Un sentiment de la bonne volonté, mais également un sentiment d'autoprotection. Il y a un moment, quand on arrive vers le mur, vers le précipice, où on va aller dans. Donc, quelques secondes avant, bon, ça, quoi, on fait la prière, on fait au nom du Père, etc. Dit, ça ne qu'a fait. Et c'est là que nous intervenons pour dire, ça qu'a fait, eh bien, faut tout le monde parler. Mais pas seulement dans ce fait pour nos politiques. Faut tout le monde parler sous plan social, sous plan économique. Parce que la crise haïtienne, c'est pour une crise politique seulement liée. Tout le monde toujours, ouais, si mots sont en lait dans la politique là. Mais actuellement, nous avons une crise économique, t'as l'heure d'avoir changé sous taux de change d'eau là. Et qui pas même un phénomène haïtien, Gounier. Guerre Ukraine-Russie, à Gounier lui-même, lui fait que vous savez le pays. La Russie et l'Ukraine, c'est deux plus gros producteurs de blé dans le monde. Mm-hmm. Donc, a fait pain, a fait farine, sont des choses qui font une crise générale. Gasoline, pétrole, ils montent. En plus, nous-mêmes, nous pas produit en pile. L'autre pays produit à l'interne. Le gain des autres, le rebaille de l'autre. On dit, bon, je vais commander moins, je vais consommer plus, dans ça me fait. Mm-hmm. Or, depuis des décennies, nous produit de moins en moins. Nous, c'est acheter, l'acheter, c'est consommer, consommer, etc. Donc, nous en mettons une grosse crise économique. Mm-hmm. Deuxièmement. Moi, je t'ai parlé de la France, côté que même l'euro perd un peu de sa valeur. L'euro, un peu. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, l'euro est à parité avec le dollar. Oui. Un dollar, un euro. Oui. Donc, c'est vraiment une crise à l'échelle mondiale. Et nous-mêmes, qui pas prend précaution, qui va travailler sur ça, nous n'en mettons pas là, puisque c'est acheter, n'a pas acheté, et ça qui dit acheter, d'ailleurs, c'est dollar, c'est devise vous bail. Donc, nous n'en mettons une grosse crise économique. Donc, mais, là, maintenant, pour résoudre le problème noir, nos besoins politiques associés avec l'économie, nous besoin que des forces dans le pays, que ce soit dans le secteur économique, que ce soit dans le secteur social, que ce soit dans le secteur politique, que le monde s'en mette ensemble pour dire qui s'en bral dit à citoyens. Parce que le plus gros problème dans beaucoup de gens, c'est la question crise économique. C'est visible pour tout le monde. Mais qui est-ce qui subit crise économique ça de plein fouet? C'est une série de monde que la société a été déjà mis dehors, est déjà marginalisé. Pas oublier que une bonne fraction de pays que les gens vivent à moins que 2 dollars par jour, des gens même qui vivent à moins que 1 dollar par jour, des gens qui grand goût, c'est-à-dire grand goût, ils sautent ou pas. Mm-hmm. Donc, en d'autres termes, des gens qui ont expliqué que ils n'ont pas dans la société, que d'ailleurs, la fameuse moune en dehors, qui était déjà, mais qui prend des autres formes, donc qui fait que il y a des gens qui ont été dans des conditions infrahumaines. En fait, crise de gang et autres, ils enracinent nos mauvais logements, nos mauvaises conditions de vie. Oui. Et puis, il n'y a personne qui comprend que la question des gangs sont pas arrivés à le résoudre par force policière et force militaire. Dimension crise n'a fait que il y a des gens qui ont un job dans les gangs. Toutes sortes de jobs. Bon, même policiers travaillent avec gang. Donc, à ce moment-là, on a une société qui, pour des raisons de ventre et de manger, disponible pour accepter des bagailles que la morale, que morale n'a pas t'avlé. Mm-hmm. Le grand goût, l'homme a un grand goût. Et c'est son,
son question de vie et de mort, au moment où il faut prêt, où ça tu vas mourir. Si c'est ça que l'on j'ai même pas ou bon morceau, manger. Quelque part, ne presse pas réflexe de conservation. Comment manger-le. Donc, en d'autres termes, faut nous conscients que nous avons une crise totale, liée sociale, politique et économique, mais liée également traduit par des violences, liée traduit par incivilité, liée traduit par monde qui a pris un canté, qui a pris un bateau, qui a des 17 mourir l'autre jour dans la zone Bahamas, liée traduit par fragilité, tout. N'importe qui l'a pu tomber ou n'y a. Son danger pour pas qu'être monde l'a pu. Donc, condition organisation ville, en condition organisation qui j'ai traité de l'eau, qui j'ai traité de l'appui, bagage ça rend nous plus fragile encore. Mm-hmm. Et tout le monde fait comme si tremblement de terre 2010 là, son lointain souvenir. Mais si allez, nous pouvons récupérer de ça. Mm-hmm. Port-au-Prince, pourquoi? Tout Port-au-Prince, tout en bas la ville, là, c'est Pétionville qui monte. Mm-hmm. En bas la ville, là, son gros, son immense terrain vide. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on croit la facile pour, à partir d'un manifeste, nous arriver Chita pour nous dialoguer? Or, comme nous avons dit avant d'entrer dans le studio, haïtiens d'accord dialoguer avec le monde, qu'il est déjà d'accord avec elle. Nous n'avons pas gagné culture pour une chita avec monde que nous n'avons pas d'accord, professeur, qui n'est pas sur le même plan ensemble avec nous. Et c'est ça, off-larry, c'est qui, genre, un groupe de monde, pas oublié au cap son observatoire. Nous n'avons pas un acteur politique. Nous sommes observatoire action pouvoir public. Donc, mm-hmm. une distance nous voulons prendre par rapport à l'événement. Et nous dit avec notre organisation, Kankou Kafou l'Espoir, Kankou Chambre haïtienne-américaine de commerce de Géorgie, Kankou Haitian United Council. Donc, plusieurs organisations nous disent, on met tête ensemble pour nous équiger, nous qu'à organiser le dialogue ça au niveau local, au niveau national et au niveau supranational, parce qu'il faut diaspora participer là-dedans. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pas un escafé que nous avons un petit glos chaud de mettre là-dedans des villes parées. Son projet sous une durée, sur la longue durée, sur 5 à 10 ans. Donc ça veut dire qu'il faut reculturer. Ça veut dire, par exemple, l'école en Haïti. Faites pour inscrire dans le programme qui gens apprennent des élèves conduit dialogue. Université, faites pour inscrire dans le programme qui j'ai organisé débat, qui j'ai organisé dialogue. La façon que vous travaillez pour le professeur, d'autant que vous cultivez l'égoïsme là, à l'école, oui. Je dis. Oui. Donc, est-ce que vous avez commencé où est ça, on l'autre gens tout? Mais nous commençons où est ça, on l'autre gens. Peut-être. On a payé, mais je dirais qu'on a payé conséquences. Non, nous payons. Type d'éducation que vous avez. On a payé conséquences, ça ne t'est fait. Mais heureusement, bon, le ministère de l'Éducation nationale peut-être pas communiqué sur ça. Depuis un certain nombre de mois, il y a pour eux un programme secondaire, programme troisième cycle, programme fondamental, pour introduire des autres types de comportements. Donc, il y a des phases d'expérimentation qui sont faites et qui calbaillent des espaces côté dans le coup communication, dans le coup français, dans le coup créole, ou après. Apprendre, exprimer tête ou son certain nombre de problèmes. Mais je vous dis, c'est une tâche immense, justement. Et c'est peut-être ça, il nous dit, qu'on offre une nouvelle qui met sous table là, qui est-ce qui voulait, au lieu de prendre un chemin qui mène dans toi, nous prenons un chemin qu'on a commencé à construire dialogue. Et, ouais, bah, ça, c'est quand on a un bébé qui n'a pas appris à marcher. Ils font tirer aller, ils camper, ils font deux pas, ils camper, ils continuent au fur et à mesure la surétête li. Et ce type de bagage qui nourrit succès nourrit dialogue là. Sous comment c'est fait ce succès? Elle me dit ah bon, mais ça marche oui. Il y a tel côté, il y a tel problème. Mon yori veut parler, yo range on va ensemble oui. Et ça justement c'est là offline. En nous essayer ou l'autre route. Mm-hmm. À ce sujet, je me suis toujours aimé raconter, dans ce sens-là, si vous permettez. C'est son livre, son blague. Son monsieur, époque, il était marché à 1h, 2h du matin,
Donc, monsieur a cherché clé à côté de la lumière, pas à côté de la fenêtre, à côté de la perdu là. Histoire, ça m'a toujours aimé raconter. L'île pour nous tourner dans la fenêtre, parce que c'est dans la fenêtre, on fait du clair. Nous ne pouvons pas pédaler dans la poteau électrique, parce que fait mon nous, entrer dans l'hôtel, dans nos chambres, entendre des bagages. C'est posture en bas poteau électrique, ça arrive. Mais dans la réalité, comment tu as interprété, comment tu as expliqué la fenêtre fenêtre, c'est côté ou pas où est clé. Clé à ton bon côté que nous pas t'ab garder. Non, alors dans la réalité pas nous. Dans la réalité pas nous, oui. Oui. Clé a perdu au cours d'un paquet type de comment dit-on ça de yin yang qui mettait. Gain des fois sous des nuances. Est-ce qu'on prend nous compte que la plupart de gros partis politiques yo font une bout. Oui. Que la plupart même organisations société civile yo font une bout. C'est-à-dire, au lieu d'un mouvement de consolidation pour rassembler de plus en plus, au bout d'un mouvement de segmentation, chaque monde a besoin de planter des drapeaux. Ça fait que je me parle il y a quelques instants de vrai dialogue là, vraiment pour le ta fête. Je ne vous apprends rien, je n'ai pas la prétention de vouloir vous rappeler quoi que ce soit. Mais nous avons l'impression, professeur, que tout autant que haïtien, si je ne suis pas d'accord avec vous, tout le temps que je ne suis pas d'accord, je suis ensemble avec vous, sous des accords, nous ne pouvons pas le faire. Non, mais le dialogue ne suppose pas obligatoirement. C'est un embarras pour une petite tête. C'est pas parce que je suis en dialogue avant que je suis tombé d'accord avant. Oui. C'est aussi important, je ne parle pas avant, de dire nous d'accord sur 1, 2, 3, nous en désaccord sur 4, 5, 6. Non, mais nous plus à l'aise pour me chiter avant parce que nous sommes d'accord avant déjà. Mais non, le ça a des techniques tout. C'est à la fois technique. Le deux parties ont pas qu'à parler ou qu'à faire une technique de navette. C'est-à-dire, on va rencontrer un tel, elle dit un tel, mais ça l'autre a proposé, oui. Est-ce qu'on est d'accord sur un, deux, trois? C'est-à-dire, on neutralise l'affrontement. Et on pas neutraliser seulement, d'ailleurs, dans le programme, nous. Où sont les gouverneurs Zaylen? Exactement. Ok, on va d'avancer. Exactement. Oui, mais malgré tout, ça a donné. Un premier brèche. Puisque c'était deux adversaires, une pas parler à l'autre. Ils ont fait une affaire avec eux. Donc, il y a des bagailles qui arrivaient, commencer à converger. Et je pense que nous dans la même situation, ça, il faut commencer à provoquer des convergences entre des mondes qui pas d'accord, sont pas quelques bagailles, mais qui sont d'accord pour faire un, deux, trois. Et attention, c'est peut-être ça me prend du point de vue de la société civile. Société civile, là, elle fait pression tout sur le pouvoir politique. C'est peut-être ça, dialogue, là, c'est mon dialogue entre politiques. Son dialogue dans la société civile, là, tout. Si un groupe de monde, tu me prends cercle à la sauce, qui ont une équipe de problèmes, ils mettent tête ensemble, ils jouent une solution. Mais solution, ça, faut qu'ils aient remonté vers pouvoir décisionnel pour dire mes solutions nous joignent, nous avons besoin d'avancer sur solution ça. Donc là, ça a une pression qui justement des citoyens vers les pouvoirs politiques. Alors, qu'est-ce que tu as dit, mon cap suivre nous là, et auditeurs, téléspectateurs, internautes, qui à l'étranger, qu'est-ce que tu as dit, mon ça, qui quoi, je dis à. Vrai problème haïtien, c'est pas un besoin de dialoguer, mais c'est plutôt c'est résoudre problème insécurité. Oui, mais qui j'en prends le résoudre? Résoudre problème insécurité, c'est qu'on est d'accord sur une trajectoire. Ou d'accord que on prend le bail des forces spéciales, ou mandat pour y intervenir sur question. Mais j'en tape tout à l'heure, question insécurité, pas seulement problème de ZAM. Et c'est le cas. Toutes les guérillas urbaines, tout le monde qui travaille sur le mouvement urbain, connaît que soit seulement sous âme, ou alimenter, ou radicaliser des jeunes mouns qui vont rejoindre le monde ou combattre.
Donc il faut en même temps au bout offre. Donc là, on dit non tout que c'était même pas nécessaire que le gouvernement pensait à commander des armes à l'étranger. Non, c'est la partie facile, c'est la partie de démontrer sa force. Mais en même temps, m'a démontré force, mais si pas intervenu sous conditions infrahumaines que mon nous a vivre côté orité, c'est alimenter son boulevard l'ouvrir. Dialogue là doit faire avant résolution insécurité ou bien en après. En même temps sont outils liés, sont outils et m'a rappelé situation territoire palestinien yo, sous occupation israélienne. M'a rappelé des résolutions de conflits au Libéria, en Sierra Leone, en différents points, au Congo actuellement. C'est que en même temps qu'on a intervenu sous des parties militaires et policières, en même temps on a fait des offres côté mon senti qu'a venu représenter. Mon cas côté haïtien pas venir dans des balais de ça. C'est le cas de l'Équateur. L'Équateur a un problème de gang. Il y a une dizaine, douzaine d'années de cela. L'Équateur fait un bagage que tout le monde dit c'est malheureux à niveau. Yo, en quelque sorte, yo presque légalisé comme yo. Je dis, monsieur, moi-même besoin que nous fonctionnions dans la société. Nous avons déposé des âmes, nous avons défini des programmes, côté c'est nous-mêmes qui voulons faire médiation, qui voulons gérer par exemple. Depuis nous utiliser la force, dit l'infini, il n'a pas fonctionné encore. Depuis nous respecter les règles du jeu, nous travaillons. Actuellement, Baga Équateur a fait objet d'études, New York University, plusieurs universités, a étudié conditions Équateur transformer problème gangliens en des groupes sociaux qui ont intervenu et qui ont géré la communauté. Oui, mais le voisin tous les mêmes qui résolvent une question de l'autre genre, Salvador résolvent l'autre genre les mêmes. On ne sait pas encore où ça a été. Faut me signaler que Boukeke. Nous souhaitons faire un accord avec eux pendant deux premières années. Il a fait un accord avec ces gangs. Oui, mais qui n'a pas les marché. Les gangs n'ont pas respecté les accords. Le sable se changer. Mais pendant qu'il a fait un accord, nous souhaitons prendre information sur tout le monde. Donc, quelque part, monsieur font une espèce de bat-et-brat. Et donc, l'un décide de sévir. Nous souhaitons des informations sur toute zone côté pour le sévir. Mais il a d'abord tenté pendant deux ans un accord. Donc ça est important tout. Parce que, ouais, pas de ligne droite dans le ça. Alors, réalité est différente, professeur, totalement différente. Oh, différent. Mes amis, question ma race, question gang, Honduration. C'est des gangs qui répercutaient juste Los Angeles. Oui? C'est-à-dire, n'a pas parlé que, bon, bah, nous pas habitués à ça, nous paniquons. Mais la question des gangs, par exemple, dans un pays comme Honduras, gang Honduras est tellement puissant que à quoi ils ont traversé depuis Honduras, arrivé juste aux États-Unis, qu'ils arrivent à faire pression sur le monde Honduras qui est aux États-Unis. Donc, la question de la violence au Mexique également. Tout est posture d'État. Et c'est ça qui est important. Comme l'État qui dit. Mais ligne rouge. Et même sous Gagnon. Oui, mais ce n'est pas lorsqu'on a des éléments de l'État même qui a financé Gagnon, qui a bâillé aux âmes. Oui, mais ça fait partie de la résolution. Il faut, par les systèmes d'intelligence, les isoler, les repérer et isoler eux. Donc, ça, c'est du travail technique. Ce n'est pas la partie la plus facile. Mais dans la recherche, qui est-ce qui va le faire ça? Qu'est-ce qui va l'isoler eux? Attendez. Mais même parce que c'est là, parce que nous tournons sous société civile. Force société haïtienne exerce son pression sur le monde qui dit y assumer responsabilité gestion de l'État. Oui, mais je dis là, c'est l'Église catholique, c'est la NMH qui a demandé pour les citoyens réveiller, pour réveiller, pour dire non à l'insécurité, non au kidnapping. Oui, mais ça, c'est le souhait. Qu'il n'y a aucun problème d'organisation. L'homme monte un bail comme ça, et d'ailleurs nous parlons de lui dans le manifeste là, il faut organiser pour faire un résultat. Mes amis, n'oubliez la question de l'église dans les années 80, 70, 80. Est-ce que nous songez force que
organisation de l'église est arrivée à gagner face au pouvoir répressif. Donc, ça veut dire, alors c'est ça qui est intéressant, oui. J'ai l'impression que les Haïtiens sont inventifs, l'intérêt pouvoir répressif que leur dit en démocratie. Ils ont un faux sentiment de sécurité. Oui, mais ils ont utilisé la démocratie en tout à d'autres fins. Ils ont un faux sentiment de sécurité, ils ont un faux sentiment de l'école laguée, comme je dois dire, ça me pito, il n'y a plus pas de règles. Ou comme à chaque examen, tout au nom de la démocratie. Ou comme à chaque examen, il faut que ça me l'enregistre. Non, mais écoutez, ça c'est le droit. Les tout bagaille. Ou rencontrer une patrouille la police, ou un examen qui n'est pas légal, qui n'est pas légalisé, il n'y a pas de retour avec la saisie. Oui. Mais pile monde dans la tête, au nom de la démocratie, ou quoi que vous avez un gros examen la caille, ou foncez le bagaille. Donc, c'est là encore qu'il faut. Où est-ce que ça parle là? C'est comme si nous faisons une grosse fête et puis tout le monde sous. Il y a tellement de affaires à sous et puis il y a beaucoup de saoulés. Faut qu'on y ait ou repérer. Et c'est peut-être ça nous manifeste une partie très importante. C'est ça nous l'équivalent pour sous base qui valeur fait intervention. L'égalité, l'inclusion, la tolérance, c'est des valeurs importantes pour de même que la responsabilité, c'est des valeurs importantes. Il y a des auditeurs qui ont réagi ensemble avec vous. Ils ont dit que dans le pays, les organisations des droits humains dans les pays de l'Amérique centrale ne sont pas aussi fortes qu'en Haïti. Ça ne sont pas aussi fortes qu'en Haïti? Oui, mon auditrice qui dit tout ça. Oh, je ne pas souscrire à ça. Il y a un peu d'avancée qui fait, il y a un peu de combat qui fait, notamment en Amérique centrale. Et les mouvements syndicaux, mouvements, et puis autour de l'église et tout. Quand même, on tissu. Est-ce que là, pas bon petit problème de nuance et même d'interprétation? Parce que je pense que c'est de façon ironique qu'on dit Tristan parler de force des organisations de défense des droits humains. Ce n'est pas pour le dire que pas rien, non? Mais c'est capacité organisation qu'en Haïti pour faire pression sur l'État, pour aller à l'encontre. Mais attendez, nous, organisation, ça fait miette morceau même genre l'autre organisation autour. Par contre, attendez, est-ce qu'on songeait période 87? Son bail qui est dans la tête, moi. T'es une force d'organisation côté mon yo décrété des mouvements de grève pendant 5 jours. Après ça, on dit ravitaillement samedi. Nous avons impossibilité ne cesse que faire un jour grève sans ravitaillement. Par contre, si vous remarquez, pas qu'un jour férié encore en Haïti. Non. Machin vend tous les jours. Que 17 octobre, que 1er janvier, n'importe qui là. Ils sont obligés de vendre tous les jours. Parce que c'est dans brasser au fait dans la journée. Capable de manger. Donc c'est nous bon peuple aujourd'hui qui a vivre au jour le jour. Cap vivre au jour le jour et c'est et leur dit peuple là, c'est ensemble société à vie presque dans au jour le jour là. Et justement organisation société civile yo, yo fait bout de bout tout. Même leur était ensemble ou dans des ça éclaté, il faut là fait pas. Monsieur Pompilus, on dit résumé non mais en entrant dans le manifeste en Kounia là. Oui. En deux mots, trois paroles. Bon. En parlant. Qu'est-ce que le manifeste là? Bon. Manifeste là, comme tout manifeste, comme règle de l'art, bon, il y a un préambule qui définit, qui présente ben, elle largement. Et préambule ça, il partit d'un bagage très simple. C'est que nous, c'est Haïti, son projet que des mondes qui étaient gourmands de fait. Et qui s'approche à des que Tessa sont tes libertés liées, sont tes contre déshumanisation, c'est au tes côté tout le monde qui besoin moyen pour gourmer et libérer Tetio a besoin de moyen. Et dans le début, nous qu'aimer pour ça. Nous accueillons bateau esclave, nous accueillons Miranda, nous accueillons Bolivar, nous accueillons Osemati, nous accueillons donc Haïti, c'est exactement ça. Père fondateur, t'es vli. Donc,
Malheureusement, constat nous, c'est que le projet ça a menacé. Le projet ça a menacé, puisque... On ne pas dire que déjà anéanti. Il est menacé, puisque t'as dit, bon premier ministre jamaïque qui te recevra une délégation haïtienne, qui te parle toute une longue liste de problèmes, et puis le gars de il dit, bon, moi-même, je laisse un succès mal géré plutôt qu'un problème. Combien t'es au départ? 500 000? Combien nous avons 10 millions? Comment est-ce que 500 000 peuvent se transformer en 10 millions? C'est que Gombagay, vous jouez dans le ça qui permet de grandir. Mm-hmm. Par contre, au moment arrivé, ou mal géré, ou suspendre géré, ou mal géré. Donc, vous dites, nous, là, tout exploit que nous avons fait, nous mal géré succès ça. Nous mal géré succès ça. C'est-à-dire que les héritiers n'ont pas été à l'image des pères. Mm-hmm. Et donc, bagaille n'a chappé dans mes yeux. Et plus mon n'a complexifié, plus bagaille n'a chappé dans mes yeux. Et de telle manière, échapper, première fois échapper, première attente de mes bagailles qui fait échapper, c'est l'attentat du pont rouge du 17 octobre 1806. Mm-hmm. C'est. Mes côtés, bah, elle a commencé à casser. Parce donc, que le ça. Donc là, on a parlé d'un projet de société. Le projet de société. Avorté. Avorté qu'on cassait sur la base d'intérêts de certains groupes. Donc à partir de là, on faut commencer à dire, mais pas ensemble encore, chaque monde ramasser affaire. On commence, on pas nos sociétés, on pas nos nations. On suspend contre nation. Et comme disait Feu Roger Gaillard, élite yo pas fait minimum de tâches bourgeoises que élite ça s'est fait. Construire l'école, construire l'hôpital, construire route, mettre infrastructure en place pour tout le monde qui a fonctionné. Mm-hmm. Donc à partir de là, on commençait à démonter machine. Mm-hmm. Donc où faut faire ça? Projet à menacer. Mm-hmm. Quand il y a un projet à menacer, nous avons deux attitudes. Et je t'ai parlé de la Somalie tout à l'heure. Haïti qui arrête de cuire dans Jules. Ou quand mettre un cordon maritime, Dominique font mu, et pour cuire dans Jules. Mm-hmm. Moun pa gen obligation assister Haïti. C'est seul Haïtien qui a obligation de Haïti. Il pas de ça. C'est vrai, nous victimes, etc. Mais il pas de win. Je ne pense pas, professeur Pompilius, que nous avons doué, jeudi, commencer à mettre main à la patte. Jean-Moi le Gondien, on va se pour éviter que génération cap monte yo, c'est eux-mêmes qui jouent dans l'autre pays. D'ailleurs, c'est un élément manifeste, c'est que nous-mêmes, génération Padna, c'est patrimoine n'a pas géré. Nous sous terre pour nous gérer un patrimoine pour nous passer à une prochaine génération. Oh. Mm-hmm. Et état patrimoine n'a dépend de ça, Fervel. Malheureusement, nous maltraitons patrimoine dans tout bon. Mm-hmm. Nous maltraitons en termes d'environnement, nous maltraitons en termes d'organisation de l'espace, nous maltraitons tout le genre. Donc actuellement, héritage nous menace. Et c'est peut-être ça qu'on y a. Décision, groupe nous a dit, eh bien, faut faire monde parler ensemble, parce que nous pas qu'à chaque monde entre la caillou, faire ou pas équitable dans rien, ou pas bon, ou acheter une grosse machine qui résiste à route là. Ou pas courant, il n'y pas bon courant, ou pas bon générateur, ou mettez la caillou. Et ou un problème de sécurité, bah, ça, ou montez un mur, mais hauteur, soit capable, ou prendre deux agents de sécurité, ou acheter deux 12 baillots, ou mettez-le devant la caillou. C'est-à-dire, chaque problème global qui gagne, ou une petite solution locale. Chaque cocos claire bouger. Vous créez un jour, et puis vous n'y a pas passé. Ou te fait l'école internationale pour Timoun ou t'aller, l'école internationale n'a pas fonctionné. On est obligé de prendre Timoun ou à pimper dehors, ou vous y aller. Ou pour madame ou pimper dehors. Et pour retrouver autant qu'on go rat dans Kaila. Non, go Kaila. Donc, quelque part, il est pour nous suspendre, faire des petites solutions individuelles. D'après, aussi, nous connectons tout Delco qui existe en Haïti. Nous n'avons pas autant de courant que l'IH. Tout pays. Donc, quelque part, si nous reconvertissons l'autre point de vue, mais le ça, oublie, mon c'est intérêt qui fait agir. C'est pas sentiment. Donc, quelque part, il faut dessiner tout ou avantage que mon n'a pas joint. Dit, sous séparer courant ça avec mon dans zone noire, n'a pas autant
kilowatt-heure bail là n'a payé au boulot. Le ça un incentive qui fait que moi agis. Bon dit de question que les héritiers doivent poursuivre dignement les pères fondateurs. C'est ce qui devrait se faire. Mais quand l'héritier, quand la race dégénère, comme disait le professeur, mon professeur Jean-Claude du centre d'études secondaires, il dit que la race dégénérée. Elle dit que l'héritier, et souvent, ce n'est pas même faute d'héritier, non? Ils mettent dans des conditions de fonctionnement, ils mettent dans des conditions de fonctionnement, ils mettent dans des conditions de fonctionnement telles que ils ne pas apprendre pour le diable. Lorsqu'on est un héritier, on forme héritier. Regarde qui j'ai traité, Prince Charles, toutes les héritiers d'Angleterre. C'est des nègres qui mettent mon moule, jouent la reine mourir, c'est un pleuré de blé, ou changer le pété parce que monsieur était entraîné. Nous-mêmes, par contre, si c'est la fragilité qui fait ça, nous pourris, nous gâter héritiers de telle façon que nous pas qu'à remplir minimum de tâches que nous devons faire. Donc, quelque part, nous avons un échec éducatif. Pas éducatif l'école, non? Éducatif au sein de famille. C'est-à-dire, le ou pour un petit monde, ou la gars 16 ans, la gros machine d'amène, ou balle, donc, ou pas pareil pour plus tard, les congestions rationnelles. On va montrer pour le travail. De patrimoine. De gestion de patrimoine. Yeah. Donc, il y a un problème. Donc, c'est tout bagaille ça pour nous faire une conversation. Conversation, ouais, c'est pour conversation à gouvernement, c'est pour conversation seulement politique. Sous conversation pour garder tête nous dans la glace. Est-ce que le résultat nous vient aujourd'hui? C'est ça nous dérivé. Et même je m'en confidence jeudi. Jeudi a fait 72 ans. Jeudi là. Jeudi a fait. Oh, bonne fête, bon anniversaire. Là. Si tu vois. Où est-ce combien pitié? Une fille. Une fille. Une fille. Lui doit attendre nous là maintenant. Lui doit être. Eh oui, elle est wesh, elle est wesh. Alors, maman, tu bonne fête pour lui. Merci, merci. Non, ouais. Et c'est un examen de conscience. L'aime des jeunes professionnels me fait commencer. Est-ce que je travaille pour ces samas pour venir? Non. Mais est-ce que je peux croiser bras, me dire, regardez, regardez, tout ça te fait, regardez, lui, on quitte ça? Non. Je ne peux pas cacher du dernier année qui était à Vivio, je décidé d'investir sur deux bagailles. Premièrement, passer à la génération. Passer à la génération. Et futur, tout ça me gagne comme expérience, tout ça me fait. Deuxièmement, aider à construire des organisations qui dépassent durée vie. Pam. Et me penser, si chaque monde qui arrive au moment en ville, qui dit bon, les leurs pour me bailler pays. Parce que Haïti bon en pile. Haïti bon en pile, Haïti bon l'école, li bon, tout ça, toute expérience m'a fait. Donc, les leurs pour nous retourner dans le pays. Et là, me dit nous, pas seulement les gens qui vivent, ou pas fouiller des gens qui vivent dans la diaspora, ils ont presque deux cerveaux. Ils ont un cerveau côté hier, et puis ils ont un cerveau qui ça m'a fait pour Haïti. Ou bien deux cœurs? Il y a un cœur pour côté OIA, un cœur pour côté SOTIA. Côté SOTIA. Et c'est une force pour un paquet d'associations dans la diaspora qui disent ces associations, mon petite rivière, mon grande rivière, mon grand cap, etc. Dans plusieurs, en Europe ou en Amérique, mon groupe selon le lieu côté SOTIA. C'est une richesse, ça y est. Professeur Pompilius, manifeste là, préconisez un dialogue. Dialogue, ça, c'est entre qui et qui? Dialogue là, c'est premièrement, c'est sous qui ça? C'est sous domaine social, politique et économique. Qui côté? Il fait à la fois dans le niveau local et dans le niveau national. Parce que même Jean Ouais, ou j'ai l'impression que le tissu national est déchiré, l'arrivée dans des petites localités, le tissu est déchiré. Donc, qui ça qui passe? C'est que nous avons un problème, je ne vais pas prononcer le vrai mot. Confiance. Nous ne faisons pas confiance encore. Confiance, c'est quand on a un pistolet longtemps, un pistolet un coup. L'offre tire. Pour recharger. Banaler. Donc, tant pour recharger, tant pour remettre la situation, confiance, là, vient d'aller. Donc, il faut rebâtir, il faut rebâtir l'idée que on a fait des bagages, des petits bagages ensemble qui réussissent.
Sous ça, ok, ça a réussi, on fait un bagaille bigo. Et au fur et à mesure, on va retravailler confiance là. Parce que bon, il y a un coup dans la coopérative. Il y a un coup dans le mouvement politique. Il y a un coup dans le mouvement syndical. Il y a un coup. Donc, c'est une succession de déceptions que moun yo jwenn. Donc, société éclate ça, faut refaire moun parler yon à l'autre. Et l'on fait moun a parler, mon l'autre bagage des amis psychologues m'a discuté en pile avec moun ya. Dit tout, bah, non, c'est pas faire moun a parler seulement. Non. Faut que moun kap koutil et kap tourne bali et résultat ça le koute ya. Parce que sous quoi on se fait moun? Ou ka fait moun parler? La tour de Babel, c'est un premier modèle de moun kap parle. Mais yon finit par pas comprendre l'autre. Donc, vous faites pour toujours mon dictionnaire. L'on dit tel bagaille, ça veut dire vous. Est-ce que ça me dit à ces mêmes mots? Nous comprenons même bagaille. Ok, nous comprenons, il veut dire même bagaille. Mais ils ont fait pour manifester. Qui ça pour manifester? Qui ça pour dialogue? Mais pour ce dialogue. Professeur, il y a un plus gros problème haïtien. Alors, ça m'a parlé de ça me comprendre, ça me tendait tout. Parce que chaque jour, je recevrai presque un monde différent sur le plateau, m'apprendre à tendre. M'apprendre à comprendre. Mounio, alors, on va dire, soit penser de ça, ou même, Mounio, quoi que, il y a une raison pour nous côté, nous, hier, c'est parce que, en pile dans le monde qui a réfléchi, en pile dans le monde qui a dirigé, nous, Haïti pas jamais dans le mi-temps, Haïti pas jamais dans le centre d'intérêt, yo. C'est intérêt chaque monde qui toujours prédominé dans la discussion, yo. Oui, parce que justement, il est arrivé sorti tête, jusqu'à présent. Mais le problème, là, est une plus complexe. Bon, le... Attendez. Vous connaissez le pays qui admet haïtien qu'on a rentré la caille à bras ouverts. Où tournez un problème sur l'accueil de migrants haïtiens. Donc, prenez un moment côté, vous ne pouvez pas déplacer aucun côté. Dans un moment, ça m'a déjà arrivé. C'est dans la clandestinité que nous faut filer tête. Dans les trop tout, nous trop. Donc, nous sommes pas dynamiques. On ne peut pas dire nous trop, non. Une expérience que je fais dans les Caraïbes, c'est pas extraordinaire. Je fais dans n'importe qui tisile, moi, mon avant un artisanat. Je débarque sur eux, je parle créole avec eux. Tout artisanat dans les Caraïbes, c'est haïtien. Donc, quelque part, nous créatifs tout. Donc, Est-ce qu'un cas construit sous force? Parce que ce n'est pas faiblesse pour nous garder seulement. Qui force nous? Force nous, nous ne sommes pas paresseux. Ou qu'accuser le peuple haïtien de toutes sortes de bains, c'est pour un peuple qui est paresseux. Donc, le joint travail, le joint bagaille pour le faire, l'engager là-dedans. Bon, dites qui dit que vous êtes fatigué avec nous. On est fatigué des dialogues, des accords, et les participants le savent très bien. Bon, oui. Ils savent très bien que rien ne va aboutir, trop d'intérêts cachés. Faut débusquer, c'est peut-être ça dialogue, là, son technique lié, oui. C'est pas on dit, mais en dialogue, non, c'est peut-être ça, nous mobilisons un réseau de monde qui compte sa dialogue et qui travaille sur dialogue. Ça veut dire que... Donc c'est au cap qu'on fait ça. C'est... Au cap et organisation de travail que, qui derrière manifeste là. J'aime dire là, nous sommes une bonne dizaine d'organisations qui mettent tête ensemble depuis un bon 2-3 mois qui travaillent sur manifeste là. Donc, manifeste là d'ailleurs, nous finissons travail là, nous faisons conférence Washington avec organisation diaspora, avec quelques partenaires américains, avec organisation en Haïti, nous faisons première présentation. Donc, une technicité là par exemple, il y a deux mouns Rwanda qui bon ma koyo. Qu'il y a fait une intervention sous présenter qui Jean Wanda bouger. Donc à partir de là, m'a pas prendre de ça l'autre monde fait pour nous sortir dans ça. Mais on mettre en contact avec Mounzaio, peut-être pas je me connais. Nous ta bail intervention là, un rayonnement national. Non, dans un mois la première conférence avec par camarade Wandayo a fait dans un mois. Ça pour conférence Zoom. Côté n'a pas invité le prendre la parole. Après ça, actuellement là, on gagne deux trois l'autre côté en Amérique latine et en Afrique que nous prenons des contacts tous sur des mondes qui dans des situations difficiles. Et mon l'autre nouvelle que
nous pas mesuré. Congrès américain a voté un bail le Global Fragility Act, qui sont stratégies sous 10 ans pour certain nombre de pays, pour dizaines de pays fragiles, parmi lesquels Haïti, qui est le seul pays en Amérique